J'ai comme dans l'idée qu'on a vraiment besoin de paix. J'ai comme dans l'idée qu'on a vraiment besoin d'amour. Je suis à Jérusalem, nous sommes le 30 octobre et j'ai moyennement envie de vous faire la promotion d'un numéro de Terre Sainte Magazine comme si tout allait si bien. Pourtant, j'ai une conviction. Il est plus nécessaire que jamais que Terre Sainte Magazine existe. Terre Sainte Magazine, c'est pas mon magazine. C'est le magazine des franciscains. Les franciscains, c'est Saint François, c'est Peace and Love, paix et amour. J'ai comme dans l'idée qu'on a vraiment besoin de paix, j'ai comme dans l'idée qu'on a vraiment besoin d'amour. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça qu'on écrit. Parce qu'on y croit. Parce que dans Terre Sainte Magazine, on vous apprend à découvrir, à aimer, à choisir les deux peuples. Le peuple juif et les Israéliens. Le peuple palestinien, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman. Article après article, c'est ça qu'on s'évertue à faire. Les faire découvrir pour apprendre à les aimer. Lisez nos pages. On a fait un chouette numéro, un numéro qu'on aurait dû faire de toute façon, un numéro dans lequel il y aura quelques pages sur ce que nous vivons en ce moment. Pas des pages pour vous donner des infos, ça vous en avez des tonnes, mais des pages pour apprendre à regarder avec un regard chrétien, c'est notre spécialité, cette terre. Alors pêle-mêle dans le numéro, vous irez à la rencontre de Fouad qui a envie à Taïbé de vivre du travail de ses mains, du travail de sa terre et de la terre de ses ancêtres. Vous découvrirez la Bible telle que Noam Morgenstern l'a enregistrée en lisant la Bible de Bayard. Vous découvrirez une chapelle inconnue de Bethléem dont les fresques remontent au Moyen-Âge. Et vous irez la visiter un jour. Et puis il y a un dossier sur le Terra Sancta Museum, un musée à tisser des liens. Parce que comme le font les franciscains depuis 800 ans, à chaque fois qu'ils font quelque chose, eh bien ils font se rencontrer des gens. On en a super besoin. Venez nous retrouver dans nos pages.